Et bonjour, petite fougère de YouTube, on se retrouve pour une toute nouvelle VOD sur le magnifique et incroyable Deviant Winds. Je vois que Strega est en train de nous parler justement du bateau de Spiritfarer. Oui. En vrai, que ce soit le style visuel, ça me fait penser quand même à du Spiritfarer. Que ce soit le côté construction aussi, oui, ça me fait penser à Spiritfarer. Très clairement, pour moi, il y a un écho. Très très clairement, pour moi, il y a un écho. Et en vrai, c'est un jeu que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé, Spiritfarer. Tu chiales comme rarement t'as chialé, ça oui. Autre chose, voilà, mais qu'est-ce qu'il est beau Spiritfarer, et celui-là il est très 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 bien, celui-là il est vraiment très 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 bien. Bon, ceci dit, on va venir récupérer des insectes. Ok, on va venir récupérer quoi d'autre. Hmm, 30 poissons, allez, vas-y, go, faisons ça. Toi, tu vas venir là. Et toi, tu pourrais faire 55 de bouffe, mais ça me semble non nécessaire. Ceci dit, je pense que du coup, je vais t'envoyer ici au filet. Ah! Mais peut-être que du coup, j'aurais voulu t'envoyer toi plutôt. Tant pis, pas grave. On va faire ça comme ça. Encore une fois, j'essaie un petit peu de temporiser au niveau des ressources parce que je veux déplacer en fait les constructions qu'il y a là-haut qui, à mon sens, sont pas dans un lieu idéal. Donc, je fais exprès de tempo. Alors, manger. Ok. Très bien. Vous seriez plutôt content. Et là, tout le monde est content. Tout le monde a le maximum de morale. C'est magnifique. Allez, on fait ça. On fait ça. C'est très bien. C'est très 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 bien. Ici, le feu. En vrai, le feu, je vais le laisser comme ça, je pense. Il n'y a pas besoin de le boost. Ah, quoique. Non, parce que ça va dépenser des planches que je veux garder. Donc non. On va le laisser réduire. C'est pas grave, je peux le relancer demain. Parce que j'aurais récupéré du bois demain. Ah, oh, il y a une vague qui arrive. Raz-de-marée de niveau 2. Le niveau 2 frappe les deux lignes terrestres. Ça, c'est chiant. Au niveau des missions, construire une mine, c'est la dernière chose qui me reste. Tout le reste a été validé. C'est très bien. Et ça tombe d'autant mieux parce que justement là il y a des gens qui partent et des gens qui rentrent. Donc finalement c'est très bien. Oh tiens, c'est pas la même caravane, c'est rigolo ça. Et on a plein d'emplacements d'habitation, ça c'est cool. Alors, des insectes pour dîner, oui. Produire des insectes, oui. Produire des légumes, oui. Devenir heureux, oui. Devenir heureux, produire des poissons, oui. Il me reste deux emplacements, produire des poissons. Et là, j'ai le choix entre devenir heureux ou produire des légumes. Je pense que je vais préférer Elmer parce que il me semble que tu as un meilleur bonus à la production de bois. Or, je vais vouloir du bois. Même si l'autre y reste plus longtemps. Je pense que je vais prendre toi. Et puis ton trait aussi m'intéresse plus. Bon, il y a plein de gens qui partent, il y a plein de gens qui arrivent. Allez, un peu loose ball, mais c'est ce qu'il faut. Mais c'est ce qu'il faut. Très bien, très bien. Par contre, j'aime beaucoup le véhicule de la caravane. Très stylé sur 20. Très, très stylé sur 20. Par contre, là, va falloir se préparer. Parce que du coup, tous les niveaux ici vont être attaqués. Ça, c'est chiant. Ça, c'est chiant. Hop, on passe.
On va vouloir produire ici une mine. Une mine. Les insectes, en vrai, on en a à balle. Donc, je vais déplacer les insectes. En plus, il est renforcé, c'est très bien. Hop, toi, tu vas déplacer les insectes ici. Ok. Une fois que tu seras déplacé, du coup, je vais pouvoir déplacer ça ici. Ça sera très bien. Ça, je vais le déplacer sûrement ici, du coup. La production là, je vais pouvoir la déplacer ici en bas. Puisque je vais la déplacer en bas. En vrai. Ça, ça va me demander de l'acier. Ça, bah du coup, je vais commencer à te renforcer. Oh, j'ai déjà plus de bois. J'ai déjà plus de bois, les gens. Eh, quel enfer. Hein. Toi, tu récupères 30. Est-ce que vous, vous récupérez pas plus? Non. Ah non, non, tu récupères pas plus. Donc toi, tu récupères 30, c'est très bien. Toi, je pense que je vais t'envoyer ici. Là. Je ne sais pas. 23, c'est pas forcément exceptionnel. 20, c'est pas forcément exceptionnel. 20. Ok. Du coup, c'est toi qui étais le plus intéressant avec 23. Donc je vais te mettre là. Il me reste deux pélos à faire des trucs. Tu peux récupérer du poisson. Et toi, 15. Et toi, 13. Donc, toi, je vais plutôt vouloir t'envoyer réparer des trucs. En vrai. Il va falloir commencer à renforcer les choses. Mais le problème, c'est que j'ai vraiment pas beaucoup de bois. J'ai vraiment pas beaucoup de bois. Ceci dit, de l'acier, ça me demande 10, j'en ai 5, donc non, je ne peux pas le faire, malheureusement. Et même là, j'ai plus assez de planches. Là, j'ai assez de planches pour réparer lui, le faire monter lui au niveau 2. Mais je sais pas si c'est pertinent. Je pense pas parce que je vais l'envoyer ici. Je pense pas parce que je vais l'envoyer ici. D'ailleurs, niveau habitation, comme je vais faire des habitations ici, ça, je vais sûrement le faire sauter. Je vais sûrement le faire sauter. En vrai. Alors que je réfléchisse un petit peu. Parce que là, les habitations, en vrai, j'en ai 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Ok. Si je vais en mettre une là, d'habitation, ça va me permettre quand même d'en supprimer deux ici. Ce qui, je pense, est une bonne chose. Ce qui, je pense, est une bonne chose. Donc ça, ça sert à rien de les améliorer. Concrètement. Ça ne sert à rien de les améliorer. La production de poissons qui est en train d'être déplacée... Non, qui n'est pas encore déplacée, justement... Je vais vouloir la déplacer. Je vais vouloir la déplacer peut-être par là. Est-ce que je le fais maintenant? En vrai, je peux. Hein. En vrai, je peux. Je la déplace là-bas. Et reste ça ici. Tiens, ça, je pourrais le déplacer là-haut. Pas sûr que ce soit pertinent. Là, il y a déjà quelqu'un. Je pourrais te demander de te reposer. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Et construire ici, j'ai pas assez. Après, sinon, je peux lui demander de faire de la bouffe. Mais je pense que c'est pas spécialement pertinent. Je pense que je vais lui demander de se reposer.
pense que je vais demander de se reposer, en vrai. Non, j'ai pas de lieu pour les reposer. Ah, j'ai pas de lieu où les reposer, donc ça peut pas marcher, c'est ça? Non, parce que j'ai pas de lieu pour les reposer. Il me faudra un lieu où ils peuvent se reposer. Oh, c'est con. Oh, c'est con. C'est couillon. Haha, ça c'est couillon. Après, est-ce que je peux te... Ah, oui. Il reste des actions disponibles, souhaitez-vous continuer? Oui. Donc je peux lui dire, tu fais rien. Et c'est pas grave. Il y en a un qui ne fait rien et c'est pas grave. Je gagne plein de planches, ça c'est bien. J'ai construit la mine, t'es content. Parfait. Faut essayer de trouver en fait un ratio d'action qui est pertinent. En vrai. Pour moi, tu peux, Orden. Je viens de voir le MP, pardon. Je l'ai raté il y a 5 minutes. Il n'y a pas de souci. Préviens juste. Tu mets le petit trigger warning. Et il n'y a pas spécialement de problème. Pour le coup. Hop. Ils veulent manger quelque chose en spécial ou pas? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je crois qu'il y a des gens qui veulent être heureux. Donc on va un peu les remplir niveau bouffe. Est-ce qu'on arrive à les remplir un peu niveau bouffe pour qu'ils soient contents? Là on n'est pas trop mal je pense. Surtout qu'il va avoir un petit bonus de morale. Voilà, on a mis en plus à manger un peu de tout. Donc ça donne des petits plans parce qu'il y avait une mission en cours. Donc ça c'est pas mal. Ok, on passe. On passe. Bon, il y en a certains qui sont pas encore heureux, malheureusement, malgré nos efforts niveau bouffe. Hop, ça, je le mets à donf, et on est bien. Je passe. Par contre, du coup, il va falloir faire attention, hein, parce qu'encore une fois, la catastrophe arrive, et il va falloir que du coup, je reproduise du fer. Donc là, produire des insectes, ça va venir. Produire des légumes, ça va venir. Devenir heureux, c'est en cours. Produire des poissons, ok. Produire des légumes, ok. Donc en gros, produire des ressources et vous nourrir. Très bien. Très bien. Ça me va. Ça me va. Ça se fait. Ah! Et comme j'ai fait la mine, ça avance. Maintenant que vous avez une mine, gardien, la question du métal ne se pose plus. Je n'y connais rien. J'espère que des voyageurs savent y faire. Faites-moi parvenir du métal et je finaliserai le quai. Ok, maintenant toi tu veux du métal. Eh ben, je t'avoue que le métal tu vas l'attendre un petit peu, hein. Parce qu'il y a une catastrophe qui approche, donc on va d'abord faire gaffe, hein. On va d'abord faire gaffe. Si tu vas produire du métal, t'en produis 15. Alors là, la question, justement, là, ça va être qui c'est qui produit le plus au niveau du métal. Pour l'instant, c'est la salamandre. Pour l'instant, c'est la salamandre. Toi aussi, t'en produis beaucoup. Toi aussi, très bien. Ok. Bah, je pense que je vais envoyer la salamandre ici. Tu vas produire du fer. C'est parti. Olympe. Tu produis pas forcément des trucs exceptionnels. Ça, pour l'instant, je peux pas te déplacer, malheureusement. Mais ça va venir. Toi, je vais vouloir te mettre ici. C'est ça que je voulais faire, c'était le dortoir. Attendez, qui c'est qui peut faire un dortoir? Oh! J'ai un nouveau bâtiment que j'avais pas vu. La cachette des écureuils. C'est un tout petit emplacement. Par contre, une cachette d'écureuils pour stocker le plus de matériaux possible, ça stocke pas mal quand même. Ça stocke quand même pas mal en vrai. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant. Voilà, moi c'est ça que je voulais voir. Un dortoir. Je pense que je vais faire un dortoir ici. Je pense que je vais faire un dortoir ici. Parce que la logique est la suivante. En faisant un dortoir ici, je peux péter en dessous les emplacements que du coup je trouve pas exceptionnels. Tout simplement. Donc c'est ce que je vais me permettre de faire. Je vais construire ici le dortoir. Ça défonce évidemment ma production de planches, mais bon, un peu habituel. Qui c'est qui récupère le plus de bois déjà? 35 c'est bien, hein. 35 c'est bien.
N'oublions pas qu'il faut bien sûr produire de la nourriture. 25 d'insectes, c'est très bien. Là, 32, c'est pas mal. Ah, 37, ça aurait été mieux. Attendez. Donc non, toi, en fait, je t'enlève. J'ai beaucoup trop besoin de bois hein, pour leur dire « Vas-y, faites ce que vous voulez. » Ok, ici, on va produire du poisson. Il faut bien produire du poisson. Ah, 26. Attends, tu produis mieux que toi. Tu produis mieux que toi. 13. 26. 23. Effectivement, tu produis mieux. Eh ben, tu vas aller ici. Ok. Toi, tu produis pas très bien ailleurs, donc... Oh, 42 ! Attends, quoi ? Quoi ? Il y en a un qui produit du bois qui va pas produire du bois, finalement. Toi, tu vas pas produire du bois, attends. C'est toi qui en produis 42 ? Oh là là, 42 de bois ! Oui, oui, hein. Go, hein. Faites ça, hein. Faites ça. Toi, du coup... En vrai, compte de l'huile, tu produis 41, ça me semble bien. Ça me semble bien. Je vais t'envoyer pêcher. Il reste toi, Olympe, qui n'a pas encore de tâche. Bah, je pense que tu vas venir produire ici, en vrai. Comme ça, je dépense pas trop d'huile. Et là, tout le monde a une tâche. Yay! On produit littéralement de tout. Ça complète des quêtes. C'est parfait. C'est parfait. Faut que je regarde, par contre, si les quêtes qui sont en cours, elles sont bien timées ou pas. Parce qu'on va pas trop tarder à avoir la roulotte qui arrive, malheureusement. Et ça va poser problème, du coup, potentiellement. Niveau moral, est-ce que j'arrive à vous rendre tous heureux ? Oui. On va là-dessus. Le plateau complet. Bam ! Vous êtes heureux. C'est excellent. Je récupère des plans. D'ailleurs, au passage, je peux venir débloquer les plans ici. Hop, les plans ici. J'ai débloqué l'absolue totalité des plans actuellement accessibles. Et ça c'est très bien. Ça, c'est vraiment très bien. Pour l'instant, je suis coincé un peu plus loin. Et bonjour Dova au passage. Parce qu'il fait trop chaud. Tout cramé, tout cramé, tout cramé. Bon, du coup, j'ai un lurk qui me regarde. Bonjour. Bienvenue. Ça va ? Dova Diane vient aider la forêt avec 23 spectateurs. Dova Diane. Voilà. Dova Diane. Très belle synthèse vocale, bien sûr. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup pour le raid. J'espère que ça s'est bien passé. Du coup, en tout cas, aussi bien que possible. Nous, on est sur Dylvian Wins, qui est un jeu qui est très, très bien. Je suis en train de faire plutôt pas mal mon petit bout de chemin. Tu es sur Dylvian Wins, oui. En effet. C'est oui, c'est vrai. le jeu est beaucoup trop bien. Le jeu est beaucoup trop bien. Franchement, j'avais testé l'Early Access il y a 6 mois, 7 mois. Un truc comme ça, c'était trop bien. Mon seul regret dans le jeu, c'était que ça s'arrêtait. Du coup, voilà, j'étais le dégoût. Mais là, le jeu continue. Là, le jeu, il te dit pas « Hey, tu es arrivé à la fin de l'Early Access, va te faire voir. » Donc, on est en train de faire des quêtes. Là, je suis au chapitre 3, je dois commencer à construire sous l'eau. Mais je fais exprès de pas construire sous l'eau. Oui, je suis comme ça. Parce que je récupère des plans. Et d'ailleurs, vous êtes arrivé au niveau du raid juste après que j'ai fini de débloquer l'entièreté des plans qui étaient disponibles. Voilà.
tout ce que je pouvais débloquer comme plan, pour le moment, a été débloqué. Parce que bah là, j'étais en train de farmer en fait les quêtes des gens, justement, pour pouvoir un petit peu avoir une production solide avant de commencer à avancer dans l'histoire et à m'occuper notamment des constructions sous-marines. Là, d'ailleurs, on a une catastrophe qui arrive. On a un raz-de-marée qui va arriver dans pas très longtemps. Donc, il faut que je renforce toutes mes structures, malheureusement, mais ça va se faire. En vrai, ça va se faire. Ça va pas trop être compliqué. J'ai beaucoup de bois, donc je vais en perdre un petit peu. C'est couillon, mais c'est pas grave. Tant pis. Pour le coup, on est au jour 35, chapitre 3. Ça se passe vraiment plutôt très bien. Ici, au niveau des quêtes encore en cours, il me reste quoi ? Produire des insectes, produire des poissons. Ce qui va se faire de demain. Du coup, là ça va se faire, donc on est pas mal, on est vraiment très bien. Le jeu est vraiment très très plaisant. Du coup, j'espère que ça s'est bien passé au niveau du live avec Tonton Nurgle. Je t'avoue que tout à l'heure, je suis passé en lurk, enfin j'étais en lurk en fait toute la journée, mais je suis passé et c'était rigolo parce qu'il y avait marqué que c'était Alan Wake et je suis arrivé sur des vidéos d'un jeu qui n'était pas du tout Alan Wake et en plus c'était une vidéo. Je me suis dit, tiens, ça a changé Alan Wake, c'est bizarre. Mais en tout cas, bah, j'espère que le live s'est bien passé, en tout cas aussi bien que possible. Et bonjour Raving Bell au passage. Ouais, il y a eu une transition à un moment, ouais. J'ai cru comprendre. Je vais refaire de l'acier pour l'instant. Il va falloir que je répare. Oh, va falloir que je renforce après le lendemain. Oh, va falloir que je renforce le lendemain. Bon, toi, tu vas produire de l'acier. Du coup, j'espère que tu vas bien Raving Bell, aussi bien que possible en cette belle journée. Qu'est-ce que j'ai débloqué ? La ferme de colza qui produit de l'huile mais en consommant des légumes. Le bar végétarien qui consomme des légumes pour augmenter le moral d'un voyageur. Ça va doucement, merci. J'ai été en lurk chez toi aussi. J'avoue que j'ai pas trop regardé. T'es en train de jouer à un jeu un peu en tour par tour qui a l'air rigolo en vrai. Mais j'ai pas trop suivi. Du coup, j'espère que ça s'est bien passé quand même. Et bien sûr, Kira la plus belle qui est en train de taper sa meilleure sieste, ce qui est toujours important. Hein. La dog cam est une chose extrêmement importante et je pense qu'il n'est pas assez répandu hein, dans le monde. Plus souvent, nous avons la suprématie des chats, et à raison, parce que les chats, c'est beaucoup trop bien. Mais c'est vrai qu'une petite caméra chien, c'est quand même bien de temps en temps. C'est quand même pas mal. Bon, ceci dit... Parlons peu, parlons bien. Je vais péter des trucs. Voilà, ça, je fais sauter. Ensuite, ça, je déplace. Je viens mettre là. Je vais déplacer les choses où il le faut. C'est sympa, oui, tactical infiltration, quelques défauts, mais un bon moment global. Ah, bon, c'est plutôt bien alors. C'est plutôt pas mal. Ça, ensuite, je pourrais le déplacer ici. La production de plantes, je vais pouvoir la déplacer ici, mais ça du coup ça viendra demain, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai renforcé avant la catastrophe et avant le déplacement. Ça veut dire qu'ici ça sera protégé, ça il faut que je le renforce. Go, on le renforce. Toi, tu vas déplacer ça. Ou ça. Non, attendez. Que je réfléchisse. Toi, t'es déjà protégé au niveau 2. C'est donc toi qu'il faudrait que je déplace. Même si, en vrai de vrai, je vais faire sûrement un dortoir ici. Je vais faire un dortoir ici. Et derrière... Lui, je vais sûrement le déplacer ici. En vrai de vrai. C'est sympa, ouais, tactical infiltration, quelques défauts, mais un bon moment. Du coup, ça a l'air rigolo. J'aime bien les jeux de tactical en général. Le truc, c'est que du coup, toi, je suis obligé de te garder pour le moment. On veut produire du bois. 25... Pour l'instant, il y en avait un qui était à 28, je crois, au début. Hop. 28. La priorité. 35 pour les insectes. C'est bien.
25 ici pour les poissons. Et il reste un jambili. 35 pour les légumes. Seems so good. Et on passe. Faut pas jouer en mode hard, c'est pas fun et c'est rare que je dise ça. Oh, ça c'est dommage quand même. C'est dommage. Et je regagne encore plein de plans. Alors du coup c'est rigolo parce que là j'accumule des plans que je n'ai pas besoin pour le moment. Mais en vrai c'est pas un problème parce que quand justement je vais débloquer de nouveau des plans à débloquer, et ben j'aurai déjà ce qu'il faut en termes de schéma pour pouvoir en acheter directement des améliorations. Et ça c'est quand même très cool. C'est quand même très cool. Y en a qui sont un peu fatigués quand même. On va voir pour vous rendre heureux. Ah, j'ai récupéré tellement de bois par contre. Oh, j'ai récupéré tellement de bois. Ça veut dire que j'aurais pu les mettre ailleurs. J'aurais pu les mettre ailleurs. Là, vous êtes pas mal. Allez, on valide ça. Vous êtes à donf. Très bien. J'ai trop de bois. C'est couillon. Il y a sacrément plus de monde qu'hier dans ta petite maison d'hôte. Ah oui, oui. Là, ça a bien level up. Les gens sont plutôt présents. Très, très clairement. Ça a bien avancé. J'ai débloqué plein de plans. Donc, j'ai commencé à débloquer de plus de constructions qui ont des effets plus forts. Et ça, c'est très, très cool. En vrai, c'est quand même très cool. Là, il y a des gens qui vont partir parce que la caravane arrive. C'est vrai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc effectivement, il faut que je rajoute une troisième dortoir et que je verrouille la maison de base. Et après, j'aurai la quantité de maison max. C'est bien. C'est bien en vrai. Qu'est-ce qu'on va vouloir comme plan? Enfin, comme Jean-Michel. Devenir heureux, c'est bien. Produire des insectes, c'est bien. Devenir heureux. Travailler avec un villageois. À voir. Oh, l'atelier de souris qui produit du textile, sachant qu'on n'en fait pas encore. Ça peut être bien quand même. Ça peut être pas mal. On va prendre ça aussi. Le bar végétarien, ça m'intéresse pas. Produire des insectes. Des légumes au dîner, ça se fait super facilement. Des insectes au dîner, ça se fait super facilement. Voilà. Très bien. Allez, go, va pour cela. Donc là, plein de gens partent, plein de gens arrivent. C'est parfait. C'est parfait. Sachant qu'on a quand même une belle force motrice. Hein. Là, niveau population, ça envoie quand même du pâté. Hein. Ça envoie quand même du pâté. Alors, vous voyez ici où c'est qu'il y a des catastrophes. Vous voyez que ici, tout ça va être abîmé, malheureusement. Donc, on va venir renforcer ça tout de suite. Toi, tu vas venir me déplacer ça pour le mettre là. Hop, le dortoir qui est ici, en vrai de vrai, je vais vouloir le faire sauter. Je vais vouloir le faire sauter, donc ça m'intéresse pas de le renforcer. Ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt de le renforcer puisque je vais le faire sauter. Question qu'ont les gens qui connaissent le jeu. Si je ne renforce pas le dortoir, que du coup il va être abîmé ce soir avec la vague, il va rester un emplacement cassé ici, on est d'accord. Je peux quand même construire par-dessus ou pas? Ou il faut que je le pète, que je reconstruise un autre truc pour ensuite pouvoir construire par-dessus? Question qui se pose. Parce que, en vrai de vrai, si là il casse l'habitation, bon, il y en a un qui va pas être content parce qu'il a pas d'habitation pendant une nuit, mais le lendemain, je reconstruis dessus le dortoir et on est bon. Et en vrai, on est bon. Mais j'ai pas l'info, donc c'est pour ça que je vous demande, parce que je sais pas. Je ne sais pas. Mais en vrai de vrai, si le truc casse et que je peux quand même construire par-dessus, tant pis, hein, je le renforce pas, je vais pas dépenser des ressources pour le renforcer. Ça serait couillon. Hein, quand même, mais en vrai de vrai, je me dis que c'est bien. Faudra enlever les débris. Alors quand je dis construire par-dessus, je parle pas à la place de là. Hein. Je parle ici sur les deux emplacements au-dessus. Parce que là, je peux pas construire à cause du fait qu'il y a la serre qui est en train d'être déplacée.
Donc demain, ici, il y aura deux emplacements de vide. C'est juste que ça, si je le renforce pas, il va être cassé. Et du coup, s'il est cassé, je sais pas si au-dessus je peux construire. Je parle pas au niveau de là où il y a la chambre actuellement. Le dortoir, je vais vouloir le mettre aligné sur les autres dortoirs. Je sais pas si c'est clair du coup ce que je raconte. Je sais pas du tout si c'est clair ce que je raconte. Tu pourras pas construire au-dessus, d'accord, ok. Très bien. Et bah puisque c'est ainsi, je vais devoir le renforcer. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Même si demain je le casse, tant pis. Je le renforce. Ici, on va vouloir produire du bois. Je vais regarder un peu qui produit quoi. 20, c'est un peu nul. C'est un peu nul quand même. 25, c'est mieux. 25, c'est pas mal. Bah 25, hein. Toi, vas-y, tu vas produire des insectes. Toi. Je vais t'envoyer ici au filet. Toi, tu vas produire du bois. Toi, tu vas produire du bois. Toi. Ah tiens, j'ai pas regardé le plan, pardon, attendez. L'atelier de souris. 2 de haut. Ah bah je vais sûrement vouloir te mettre par là du coup. En vrai. Je vais sûrement vouloir te mettre par là-bas. Pour l'atelier de souris. Ouais, je pense. Du coup, les dégâts sont systématiquement à tous les bâtiments d'un même étage horizontalement ou bien une variété. Non, non, c'est tout le niveau qui est touché qui a le dégât. Donc là, en l'occurrence, si tu prends le tsunami de niveau 2, le tsunami de niveau 2 touche tous les bâtiments au premier rang et tous les bâtiments au rang 2. C'est pour ça justement que j'essaie de construire de manière à ce que notamment les bâtiments qui sont sur deux étages soient le plus haut possible. Parce que si je mets un bâtiment qui est sur deux étages, admettons à la ligne 2, bah le problème c'est que s'il y a une attaque sur la ligne 2, comme là c'est le cas, ça va abîmer tout le bâtiment, y compris la ligne 3, puisque le bâtiment est sur deux étages et qui est considéré comme un bloc. Donc j'essaye d'optimiser un petit peu les choses pour que grosso merdo les dégâts soient le moins possible en train de toucher à multiples niveaux, parce que ça me permet de mieux optimiser au niveau des dépenses de ressources, tout simplement. Je peux faire ça un peu plus proprement. Attendez, il y a quelqu'un qui n'a pas de taf. Ah oui, Chloé, j'ai pas mis de taf à Chloé. Pardon. Bah, je vais t'envoyer faire quoi ? En vrai, toi, je sais que je vais ne peux pas renforcer la salle si elle est utilisée. Je n'y ai pas pensé. Je vais venir renforcer le stockage. Pourquoi pas? Ça servira toujours. Ça servira toujours. Ça servira toujours. Ok, là on a récupéré beaucoup de bois, c'est bien. On a récupéré beaucoup de bouffe, c'est bien. Venez vous installer, c'est l'heure du repas, les gens. Ok. Touk-touk. Niveau moral. Là, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. En fait, faut voir est-ce qu'il y a un effet un peu différent ou pas. Ouais, quand même. Là, je pense que c'est un peu le must qu'on peut faire. Tac. C'est pas mal. Go. Ça valide plein de quêtes. On récupère encore une fois plein de plans. On en récupère 12. Parce que c'est pas forcément des quêtes très difficiles. Et comme c'est pas des quêtes forcément très difficiles, ça donne pas beaucoup de plans. Bon, après, encore une fois, c'est pas très grave. Puisque là, actuellement, j'ai beaucoup de plans en attente. Donc, go. Ici... Du coup, je vais dépenser pas mal de bois pour le mettre à donf. Go.
J'ai un événement. J'ai passé quelque temps dans d'autres communautés et je les ai vus faire des offrandes à la mer. Peut-être pourrions-nous essayer, qui sait? Je pourrais dépenser du bois pour récupérer des insectes. Non, je pense que non. On va dire non. On va dire non. Et c'est l'heure de la catastrophe. C'est catastrophique. Oui, j'ai de l'humour. Je sais, vous êtes impressionnés. C'est normal. C'est normal. Oh, visuellement, le jeu, qu'est-ce qu'il est beau. D'ailleurs, dans un autre registre, Dova, vu que tu parlais du fait que, justement, le jeu, il est bien, t'avais fait Spiritfarer, parce que, moi, il me fait quand même pas mal penser à Spiritfarer sur certaines mécaniques, et j'ai vu qu'il y a d'autres gens, et visuellement aussi, et j'ai vu qu'il y avait, notamment, je crois que c'est Strega, tout à l'heure, qui parlait du fait que ça faisait justement penser un petit peu à Spiritfarer aussi. Du coup, est-ce que toi aussi, éventuellement, ça te fait penser à Spiritfarer? Est-ce que tu as fait Spiritfarer? Parce que Spiritfarer est trop bien. C'est un jeu qui est beaucoup trop bien, Spiritfarer. Il est déchirant, il détruit ton âme, mais qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est bien. Niveau plan, qu'est-ce qui nous reste? Devenir heureux, c'est en cours. Produire des insectes, c'est en cours. Devenir heureux, c'est en cours. Ah, merde, toi, travailler avec quelqu'un. Bon, en vrai, Clure, ça se fait de travailler avec quelqu'un. Ça se fait, ça se fait. Je peux passer. Très bien. Donc, là, c'est l'heure de bouger des choses. Selmir, tu vas retravailler à nouveau pour produire du fer. Je l'ai pas fini, Spiritfarer, parce que je fais que chialer à chaque départ. Ouais, hein, c'est dur. Hein. Et puis la fin est déchirante, et le début est déchirant, le milieu est déchirant, et toutes les étapes en fait sont déchirantes. Du coup, t'as un moment quand même où t'es là en mode... J'aimerais faire autre chose que pleurer dans ma vie. Please. Oh, 47 de bois. Ah oui. Ah oui, tu vas y aller, je te le confirme. Toi, du coup, tu vas vouloir me faire un dortoir, je te prie. Toi, tu vas me déplacer les poissons. La poiscaille va venir ici. Ok. Clure, tu vas venir travailler ici, produire plus de bois et ça valide ta quête. Je vais casser ça ici parce que ça n'a pas d'intérêt pour moi. Je confirme, hein. Bah non, puisque je fais le dortoir au-dessus, donc je peux m'en battre les reins. Voilà. Parfait. Et bah du coup, là, on va mettre production d'insectes. Toi, on va mettre production de légumes. Et toi, tu vas aller récupérer ici des choses dans le filet. On est d'accord qu'il n'y a rien qui s'est débloqué ici. Il n'y a pas de nouveau plan. Très bien, on passe. Allez, nickel. Nickel. Je récupère des plans parce que des quêtes ont été complétées. C'est sublime. En vrai, un jour, je me tâte à éventuellement faire le let's play sur la chaîne parce qu'il est vraiment incroyable. En vrai de vrai, il est vraiment très très bien. Encore une fois, il est lourd, émotionnellement parlant. Mais qu'est-ce qu'il est bien. Qu'est-ce qu'il est bien. Là, tout le monde est à donf, donc voilà, je complète les dernières quêtes. Je récupère des plans en plus. Yeah. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. Et j'ai plein de bois, donc écoutez, bah, on va gâcher du bois. On va gâcher du bois. Tant pis. Tant pis. Ah, bientôt la caravane arrive. Si on regarde au niveau des quêtes, toutes les quêtes ont été complétées. Toutes les quêtes ont été complétées. C'est parfait. C'est parfait. Ok, très bien. La souris. C'est toi qui peux construire des trucs. En l'occurrence, je veux que tu ailles construire un atelier qui me permettra du coup de produire de manière absolument magnifique du textile. Oui, en effet. D'ailleurs, le stockage ici, je vais peut-être vouloir le faire sauter parce que je sais plus qui avait la possibilité de construire un stockage différent
Je crois que c'est toi. Non, toi non. C'était quoi? C'était qui? Ah! C'était un écureuil. La cachette des écureuils qui permet de stocker du bois, du fer et de l'huile. Qui prend que 1. Sachant que ce stockage-là, en l'occurrence, il fait 20-20-20. Donc non seulement il prend que la moitié, mais en plus il stocke plus. Je vous avoue qu'on va faire sauter le stockage. En vrai. On va faire sauter le stockage. Je vous le dis tout de suite. La cuisine, on l'a faite. Ah, il y a la cave à champignons. Ah bah oui, puis du coup, comme ça, on va pouvoir placer la cave à champignons. On va pouvoir placer la cave à champignons, carrément. Carrément. Du coup, toi, tu vas faire sauter ça. Voilà. Pour l'instant, on va pas forcément faire plus. 37 de bois, c'est toujours bien. Ah oui, il faudrait quelqu'un pour produire de... Bah Salmi, en vrai, tu vas venir ici, hein. Tu vas venir produire du fer. Attends d'ailleurs, 12. Pourquoi on produit moins? Probablement à cause de la sécheresse. Bon, y a même des gens qui produisent encore moins, donc PTDR. Très bien, soit. 47 de bois, c'est magnifique, allez-y. Bon, du coup, on produit une quantité de bois qui est juste absurde sur 20. Truc couillon qu'il faut que je réfléchisse. Toi, qu'est-ce qui coûte ton plan? Que des planches, ok. Parce qu'il faut pas oublier que je suis censé, à la base, construire des trucs. Quand même. Je suis censé construire en bas en mettant du fer. Donc je pense qu'on va les mettre du fer. On va les remplir un peu nos stocks quand même. On va les remplir un peu nos stocks de bouffe, tout ça. Parce que là, ça tire un peu la gueule. 23, c'est bien. Et il reste toi. Il n'y a personne qui s'occupe de ça. Bah toi maintenant, tu t'occupes de ça. Et donc ici, je peux mettre du métal. On va en mettre 10. Hop, on va en mettre 10, je fais la moitié. Parce que ici, on veut renforcer du coup la structure qui actuellement est en bois en une structure en fer, qui sera fort utile a priori. Là, j'ai construit une quantité de bois phénoménale. Du coup, en vrai, ça va peut-être pas être la chose la plus utile du monde, mais bon, anyway. On vous met un peu de tout, vous êtes content, c'est magnifique. Niveau bouffe, qu'est-ce qu'il y a le plus? Si je vous mets juste ça, vous êtes content. En soi, ils sont contents. Oh, attendez, il fallait que je trouve un truc de bouillie. Il y avait un truc de bouillie. Voilà, j'avais pas trouvé cette bouillie-là. Bon, du coup, ils vont prendre une perte de morale, mais c'est pas grave parce que les gens vont partir. Et l'idée, c'était en fait de découvrir toutes les recettes. Voilà, découvrir toutes les recettes. C'est bon. Toutes les recettes ont été découvertes, donc je connais tout. I see all, n'est-ce pas? J'ai du bois, donc on peut le dépenser. De toute manière, je suis en surbois, donc autant en profiter. Et je vais vouloir ici améliorer encore, parce que j'ai récupéré du fer, et comme ça, je confirme et je valide ici. Allez, on avance. Et il y a un petit coup de marteau ici. Toc! Et voilà, gardien, la base du quai est maintenant terminée. Vous pouvez y ajouter différentes structures à votre guise. Merci. Tes innovations nous ouvrent des perspectives toutes nouvelles pour résister aux tempêtes. C'est tout naturel après l'aide que vous m'avez apportée. Que vas-tu faire maintenant? J'ai reçu une réponse des miens. Je vais devoir partir et j'ai hâte de les retrouver. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai prévu le coup. Je parlerai de votre part auprès de ma communauté sous-marine et j'enverrai des volontaires à votre rencontre pour vous épauler dans la construction de cet espace sous-marin. La porte de mon phare est toujours grande ouverte. J'accueillerai volontiers tes amis. Bonne chance, n'hésite pas à revenir si tu passes dans les environs. Je n'y manquerai pas si je suis dans les parages. Et encore merci pour votre aide. Hop là. Yes. Chapitre 3 terminé. Là, on a mis un peu plus de temps pour le terminer. Mais en même temps, c'était fait exprès. J'ai pris exprès le temps en fait, de farmer mes ressources à côté, notamment les plans, pour du coup réussir à avoir un peu tout à donf. Donc c'est logique que bah, là, on a mis 19 jours. On a mis quasiment 20 jours pour ça. C'est logique. Allez.
On passe au chapitre suivant. Chapitre numéro 4, jour 39. Et on a un petit canard qui arrive. Bonjour le canard. Il n'y a même pas Solaris aujourd'hui. Alors qu'on a un canard. Expansion sous-marine, s'adapter à la vie sous-marine. Alors les canards sous-marins, c'est quand même particulier ceci dit, mais ok. Bonjour, êtes-vous l'hôte de ces lieux ? Pour sûr. J'ai eu vent de votre hameau suite au récit des périples de Salmi. Je suis impressionné par l'excellent état de votre phare. Oui, j'en suis très fier. Il est conçu pour résister à toutes les tempêtes. C'est un refuge idéal, sans parler de sa flamme rutilante qui nous guide dans la nuit d'encre et de fumée. Ah oui, c'est un bien beau feu que vous avez là. J'imagine que la consommation de bois doit être très élevée. Oh oui, je crains déjà le jour où le bois viendra à nous manquer. Ça ne m'étonne pas. Mais aviez-vous déjà essayé l'huile ? Ça brûlerait mieux et plus longtemps. Par chez nous, c'est monnaie courante. Malheureusement pas. C'est un produit rare de nos jours. Vous avez l'air de vous y connaître. Un peu. Quand j'étais jeune, j'ai travaillé dans un atelier qui avait automatisé sa production d'huile. Le moteur de cette machine tournait au bois. Vous comprenez ? Elle transformait un combustible moins efficace pour en produire un meilleur avec une plus-value calorifique. Sacrebleu ! Voilà qui est prometteur ! En nous servant de la chaudière des installations sous-marines, nous avons les moyens d'ouvrir une fabrique d'huile. Ça devrait nous libérer d'une partie du bûcheronnage. Qu'en pensez-vous ? Lancez-vous ! Nos outils sont à votre disposition. Allez ! C'est parti ! Nouveau chapitre. On va mettre la production d'huile en marche. Allez, go ! Là, on a la caravane qui arrive. Toutes les missions ont été complétées. Évidemment, sauf Dali qui vient d'arriver. Ce qui est logique. Donc là, tout le monde va partir. Mais on va pouvoir récupérer plein de gens. Et potentiellement, du coup, des nouvelles espèces en plus de ça. Et ça, c'est cool. Oh, il y a une chauve-souris à la conduite. C'est trop cool. C'est trop cool. Alors, construire un logement. Non, toi, typiquement, ta mission, elle m'intéresse pas. Je regarde un peu s'il n'y a pas des espèces que je connais pas. Bah, pas trop. Pas trop. On va prendre ça. On va prendre ça. On va prendre ça. Parce que ça, c'est des missions assez simples. Ça, c'est simple. Ça, ça. Et il me reste 3 emplacements. Devenir heureux. Produire des poissons. Produire des poissons. Voilà. La seule personne que je prends pas finalement, c'est Mimi qui voulait que je construise un logement. Mais ça n'arrivera pas. Ok. Très bien. Bisous, au revoir, comme on dit. Tant, mais la quantité de pélos qui rentrent et qui partent, quoi, c'est abusé. Qu'est-ce qu'il y a, ma puce ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux des câlins ? Oh, tu veux des câlins ? Question bête, est-ce que j'ai débloqué des plans ? Ah oui ! Yes. Il y a des nouveaux plans. Il y a des nouveaux plans. Les castors, par exemple. J'ai pas récupéré de castors. Qui peuvent permettre... Oh, les ours ! Qui permettent de faire des fermes de criquets. Tu leur mets des planches et ils font des insectes. Et la presse à huile, tu leur mets du poisson et ça fait de l'huile. Très bien. Donc les castors que j'ai pas encore découverts, en tout cas j'en ai pas encore eu, qui permettent d'échanger donc, dans une forêt fertilisée 10 légumes pour récupérer 30 de bois et dans une scierie 2 lingots de fer pour faire 30 planches. Quoi ? Comment ça ? Comment ça, tu fais des lingots de fer pour faire des planches ? Quoi ? Je suis pas sûr de comprendre la logique. Je suis pas sûr de comprendre la logique. Je peux augmenter la taille de la caravane. Oh, ça peut être bien. Je peux... Les voyageurs assignés à une salle de morale récupèrent un poids de morale supplémentaire. Ah, oh, sachant que j'ai pas encore fait de salle de morale. Ça pourrait être important quand même. La cabane des loutres, tu leur mets des insectes et ça produit... je sais pas quoi. Je sais pas ce que c'est. Et ici, le cadran météo affiche la météo pour 2 jours supplémentaires, c'est quand même pas mal. Je vais faire ça. Je vais augmenter la taille de la caravane, c'est toujours important. Augmenter les ours, ça me semble bien. Augmenter les loutres, ça me semble bien. En vrai, la salle de bonheur, je vais sûrement m'en occuper. Et le truc qui est rigolo, c'est que j'ai assez de points pour prendre la dernière amélioration. Donc, en fait, toutes les nouvelles améliorations qui étaient débloquées, je les ai débloquées. Voilà. J'ai déjà tout pris. Ça a du bon de farm. Ça a du bon de farm. Vous voyez, comme ça, on se met bien. On se met à l'aise financièrement. Je suis à l'aise financièrement. Non, pas du tout. Bref,
toi, tu as des nouvelles salles que je ne connais pas. Alors, le cellier qui permet de stocker de la bouffe, hein, de la boostify. Tu permets de faire un truc ici. Ok. Alors, c'est intéressant, ceci dit. C'est intéressant. 20, 20, 20. Et en comparaison, ça revient au même. Ah, mais parce que c'est un cellier. Ça explique. Là, nous avons la fabrique d'huile qui donc utilise des planches pour faire de l'huile. Ah, et ça se construit ici sous l'eau. Et ça se construit ici sous l'eau. Très bien. Et la ferme de colza, tu lui mets des légumes et ça fait du coup de l'huile. Why not? Pas sûr que ça m'intéresse. Pour l'heure, en tout cas. Là, la presse à huile, par exemple, je ne connais pas. La ferme de criquet, tu mets des planches, tu récupères beaucoup d'insectes quand même. Et là, tu mets du poisson et tu récupères, pareil, quand même pas mal. Je suis pas sûr de vouloir la presse à huile. Parce que là-haut, on avait dit pas la presse à huile. Oh, la scierie qui permet de récupérer des planches. La forêt fertilisée, ça peut être intéressant. Le jardin. En vrai de vrai, un jardin, ça peut être bien. Parce que j'ai pas de salle de repos jusqu'à présent. Et on a vu que c'est quand même un peu un problème. Là, je voulais faire l'atelier de souris, sauf que... Ah non, je l'ai fait. C'est quoi que je voulais faire? Qu'est-ce que je voulais faire et mettre ici? Je sais plus. Là, on a des nouveaux bâtiments. La cabane des loutres. Cabane de pêcheurs modifiée pour les loutres pour pêcher plus de poissons. Oui, sauf que du coup, tu dépenses des insectes. La ferme de colza, ça m'intéresse pas spécialement. Et le bar végétarien, ça m'intéresse pas forcément non plus de ouf. Après, tu récupères 3 de bonheur quand même. Hein. Tu récupères quand même 3 de bonheur. Hein. Ah si, ça y est, je sais. C'était la ferme de champignons. La cave à champignons. Tu récupères pas mal en ayant dépensé du coup des... comment ça s'appelle ? En ayant dépensé des planches. En vrai, ça me semble bien. Je vais mettre ça ici. Je vais mettre ça ici. Et bah, du coup, on vient un peu là. La forêt fertilisée, je pense pas. La scierie, je pense pas. Par contre, du coup, le jardin, ça me semble bien. Le jardin, ça me semble bien. Je vais venir mettre le jardin ici. Je vais venir mettre le jardin ici. Et du coup, on va commencer très très clairement à s'occuper de faire des productions diverses et variées. 25 de poissons, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Tu vas venir là. Toi, les légumes, 30 en vrai, c'est bien, c'est plutôt bien. La scierie donne un nouveau type de planche. Non, en fait, tu as des dessins différents en fonction de ce qui est produit, mais ça revient aux mêmes ressources, littéralement. Par exemple, tu vas avoir le, je sais plus quoi là, t'as un bâtiment où tu mets des légumes et ça fait planter, ça fait pousser des planches. C'est des espèces de fagots de brindilles en fait, pas le chat, hein, brindilles de bois. Et en vrai, ça donne des planches. En tout cas, c'était comme ça pendant l'Early Access. Je vois pas pourquoi ça aurait changé. Ça me semblerait pas logique. Je pense que c'est exactement la même chose. Hop, ici, regardons des insectes sûrement, en vrai. Toi. Faudrait quand même que je mette quelqu'un à produire un peu des tissus, mais on n'a pas de stockage de tissus. Ça sert à rien, on n'a pas de stockage de tissus. On va mettre des légumes. On va mettre des légumes. J'ai un doute avec la nouvelle image. Ouais, ouais, ouais. Mais non, pour le coup, c'est classique. Ah oui, la fabrique d'huile. Enfin, on va la faire, hein, la fabrique d'huile. On va lancer tout de suite. Toi, ici. Tu vas faire du bois, ça sera quand même important. Faudrait que j'aille produire du fer hein, quand même.
Faudrait que j'aille produire du fer. Ok. Tout le monde a une activité. On est parti. Et ça commence déjà à valider des plans en plus. PTDR. Pourquoi pas. J'en ai pas besoin, mais pourquoi pas. Par contre, faut que je fasse attention à renforcer mes structures parce que là, du coup, elles sont niveau 1 hein, toutes. En termes de défense, c'est pas exceptionnel du tout. On va venir améliorer un petit peu tout le monde. Hein. Niveau moral, est-ce que on peut vous mettre un peu bien? Ça reste pas fou. En termes de trucs, ouais, repas frugal, repas copieux. En fait, là, on est en repas copieux et c'est là où j'ai le boost maximum, donc va pour ça. Va pour ça. Ça complète en soi parce qu'il y avait encore une fois des missions qui disaient « Hey, fais-moi manger des trucs !» Comme je leur ai donné un peu de tout. Hop, c'est bon. En soi, les quêtes se font plutôt facilement, ça c'est agréable. Ça c'est agréable. Tu galères pas à récupérer les points et en vrai, c'est très très bien. C'est très 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 bien. J'ai pas spécialement besoin d'accélérer pour le coup le feu. Je pense qu'on va garder économiser nos planches pour le moment. Surtout que là on va débloquer du coup la production d'huile et qui va me demander du coup du bois. Donc on va justement s'en occuper. Regardons les missions. Produire du poisson, ça va se faire. Devenir heureux, ça va se faire. Produire du poisson. Renforcer la fabrique d'huile. Ok. Ça va se faire assez facilement. Impressionnante machine et fragile. Avant de lancer la production, il vaut mieux renforcer la structure. À la première catastrophe, le compartiment serait inondé et la récolte perdue. On ne peut pas bricoler pendant que la machine tourne. C'est logique. Ok. Go. Hein. Go. Tu me demandes du fer, incroyablement. Eh bah, c'est parti. Hein. C'est parti. Toi ici, tu vas me produire beaucoup de bois et c'est très bien. Toi, 9 de fer, c'est bien. C'est quand même pas mal. Ça aussi, ça serait bien. Toi, je vais t'envoyer au métal. Toi je vais t'envoyer ici, on va utiliser un peu de planche pour ça mais ça me semble ok. Il faudrait quand même que j'enforce des trucs à différents endroits. Genre les stockages, bon plan sur 20 quand même de les renforcer je pense. 46, ça va être bien pour faire plein de bouffe. Oh, toi, tu produis vraiment pas beaucoup de poissons, par contre. Ça, c'est un peu un problème. 13. 13, c'est nul. 25, c'est beaucoup mieux. Ouais, ça sera toi qui fais 25. Hop, très bien. Je vais t'envoyer au filet. Et toi, du coup, est-ce que tu vas produire quelque chose ou est-ce que tu vas renforcer? Je pense que tu vas vouloir renforcer des structures. Notamment, tu vas renforcer ici. Ouais, je pense que tu vas venir renforcer. On va commencer à renforcer les structures parce que sinon, je sens venir l'arnaque. Par contre, j'ai pas produit d'insectes et ça, c'est un problème. Mais encore une fois, j'ai par contre récupéré un maximum de plants. Et ça, c'est cool parce que les missions se sont terminées. Et ça, c'est bien. C'est très très bien. Ça se passe pas mal en vrai. Hein. Ça se passe vraiment plutôt très bien. Hein. Alors, il y a des gens qu'il faut rendre heureux. Et on va les rendre heureux en leur donnant à manger. Voilà. Bam, repas copieux. Tout le monde va être plutôt heureux. Il y en a un, Dali, qui sera pas encore à Donf. Mais sinon, tout le monde le sera.
Et du coup, c'est plutôt très cool. Hop, on récupère des plans. Ça, c'est bien. Du coup, on est d'accord qu'il n'y a rien qui se débloque à nouveau. Hein. Pour l'instant, juste ça accumule des plans. Et c'est très bien. Hein. Franchement, c'est, ça me va parfaitement qu'on ait des stocks de schémas parce que ça fera comme tout à l'heure. On va pouvoir en fait tout dépenser un peu brusquement pour pouvoir récupérer toutes les améliorations dès le nouveau chapitre. Quoi. Ça me semble très bien. Hein. Chapitre 4 toujours, mais jour 41. Alors pour l'instant, on ne voit pas arriver de catastrophe et c'est parfait. Niveau mission, tout est bien sauf Dali qu'il faut assigner à la fabrique d'huile. Ça va se faire. Cela va se faire. Hop. Je pense que ça tiendra. Il n'y a plus qu'à pousser cette manette là et à remplir le fourneau de bois. Oh, ça vromberie. En fonction de la quantité de bois, la fabrique peut donner de l'huile plusieurs jours d'affilée. Votre phare devrait être alimenté pendant quelques temps et nous libérer de corvées de bûches. Merci. Okay. Les salles de production de quais sous-marins permettent de produire des ressources sur plusieurs jours. Le nombre de jours de production déterminera la quantité de ressources totales produites. Et produire pendant plus de 3 jours vous rapportera des bonus de production journalière ainsi qu'un coût inférieur. Ok. Donc, admettons, il faut que je prenne Dolly et que je te dise Dolly, coucou, tu viens produire ici. Tac. Là, je te dis, écoute, tu vas produire pendant 5 jours. Tu consommes 50 bûches, enfin 50 de bois. Par contre, tu vas faire 12 d'huile. Et ça, c'est bien. Parce que la fabrique d'huile est bien, t'en produis 5. Parce que t'es un canard, t'en produis 5. Parce que t'es satisfait, t'en produis 3. Parce que le temps est ensoleillé, tu produis moins 3. Ça, c'est nul. Quel est le rapport, par contre, entre la production et le soleil? Je ne sais pas. Surtout dans une salle sous-marine. Quel est le rapport? Mais écoutez, c'est la magie, c'est comme ça. On lance. En vrai, on lance. Go. C'est moi ou il fait chaud ici? C'est la chaudière. La suralimentation pour faire tourner la fabrique d'huile a légèrement augmenté le chauffage du quai sous-marin. C'est grave. Si vous vouliez un sauna géant, non. Mais si vous vouliez des pièces fonctionnelles, ça peut devenir embêtant. En état de surchauffe, la chaudière ne s'abîme pas, heureusement. Mais plus rien de sous-marin ne fonctionne non plus. Je pense qu'il faudra arrêter la production d'huile pendant un jour ou deux, le temps qu'elle se refroidisse. Je vais installer une jauge de température pour éviter ça à l'avenir. Bam, la jauge de chaleur. En cours, au coût en ressources des salles sous-marines s'ajoute également un coût en emplacement de surchauffe. Si la jauge de surchauffe est remplie et que tous les emplacements de surchauffe sont occupés, vous ne pourrez plus lancer de nouvelles productions. La nuit, vous récupérez un emplacement de surchauffe. Vous pouvez récupérer des emplacements de surchauffe supplémentaires si vous n'avez aucune production en cours pendant la journée. Ok. Très bien. Et donc je vois la jauge ici. Soit. Très bien. On est d'accord qu'on n'a toujours pas de nouveaux plans débloqués. Soit. Très bien. Par contre, je sens venir l'arnaque hein, à un moment donné, donc il va falloir sécuriser des choses. Oh, 12. 12, c'est bien. 12, c'est pas mal. Fin de VOD. Ah. 50 de bois, bah ça tombe bien puisque je viens d'en utiliser 50. Ça me semble parfait. 37 également. Ouais, go. Ah, j'ai plus d'insectes par contre. J'ai plus du tout d'insectes par contre. On va dire produit pas mal de légumes. Toi, bah 30, ça c'est bien. Ça c'est très bien. Du poisson. Ça produit pas à balle. Hein. Ça produit pas à balle. Toi, je vais t'envoyer ici. Toi, je vais t'envoyer ici. Toi, tu vas renforcer. Donc là, on est à 2. Toi, tu vas renforcer là à 1, je pense. Ouais. Et toi, tu vas aller au filet. Hop là. Tout le monde est occupé. Je peux passer. Attention à ne pas gaspiller. Succès. Produire 200 ressources en une journée. Ah ouais! Oh! Et on produit pas mal, hein? Vous imaginez combien de produire 200 ressources en une seule journée? C'est pas dégueu tout ça, hein?
Alors par contre il y a balle de légumes, donc je pense que c'est ce qu'on va utiliser, les légumes. Ah alors attendez, on va utiliser juste ce qu'il faut. Voilà. Pour mettre tout le monde heureux. Et j'utilise pas de poissons et pas d'insectes, pas besoin. Et mes stocks sont bien, sauf le bois évidemment. Mais bon, ça c'est la vie. Ok, on avance. Le feu, bah j'ai beaucoup de feu, j'ai beaucoup de bois. Oh, j'ai récupéré tellement de bois. Parce que le filet a dû récupérer du bois aussi. Action disponible. Oh, j'ai pas vu. J'ai passé quelques temps. Je dépense du bois pour récupérer des insectes. Oui. Là, en l'occurrence, oui, parce que bah, j'ai plein de bois, donc allons-y. Alors que le stockage d'insectes, il y a de la marge, donc autant en profiter, pour le coup. Niveau mission... Toutes les missions étaient faites, sauf Dali, qui me demande de faire la chambre froide. Ce qu'on va aller faire. Ah oui, tout le monde va partir, tout le monde va revenir. Ça aussi. Allez, bisous. Hein. Devenir heureux, ça se fait. Construire une forêt fertilisée, ça n'arrivera pas. Des légumes pour le dîner, ça se fait. Forêt fertilisée, ça n'arrivera pas. Produire du... Des légumes pour le dîner, ça se fait. Travailler avec quelqu'un, pourquoi pas. Construire une cabane de loutre, non. Produire du bois, travailler avec quelqu'un. Produire du bois, produire des légumes. Produire des poissons. Ha! Il me reste un emplacement. Mais je veux pas construire de forêt fertilisée. Je veux pas construire de logement. Je veux pas construire de cabane de loutre. Toi, parce que du coup, tu partiras vite. Tu iras plus vite que les autres en tout cas. Il y a une mission qui sera pas faite parce que je construirai pas de logement. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Tant pis. C'est pas grave. Hein. So sad but anyway. Hein, comme on dit. Nouvelle étape. Et j'ai pas coupé la VOD. Dali, vous savez, cette histoire de surchauffe m'a donné une idée. Une chambre froide contre un peu d'énergie, elle aurait une efficacité sans égale dans la conservation des aliments. C'est possible ça? Je sais que c'est paradoxal, mais quand on sait comment ça fonctionne... Enfin, je vous passe les détails, mais sachez qu'elle a besoin d'énergie pour fonctionner, donc elle augmentera la température de la chaudière de façon permanente. Il me semble que le jeu en vaut la chandelle. Nos outils sont à votre disposition. Les salles de logement, les salles de morale et de stockage occupent un emplacement de surchauffe permanent. Cet emplacement restera occupé tant que la salle n'est pas détruite. Ah. C'est un peu un problème quand même, hein. Donc tu me demandes de construire une chambre froide. Alors la question qui se pose, c'est par rapport aux catastrophes que j'ai là ici. Et que je sais du coup venir des fonds marins. En fait, en gros, il y a un volcan. Oui, voilà. Il y a des désastres sous-marins aussi, du coup. Oui. le problème que j'ai, en fait, c'est que je sais pas comment est-ce qu'il fonctionne. Est-ce que c'est en colonne ou est-ce que c'est en ligne? Et je crois que c'est en colonne. Je crois que le principe des catastrophes sous-marines, c'est en colonne. Donc, si c'est en colonne... La logique voudrait qu'il vaut mieux essayer d'espacer tes constructions le plus possible. À mon avis. Et de faire des emplacements qui prennent le plus de place, je pense. Donc on va venir la construire ici. La fameuse chambre froide. Très bien. J'ai débloqué des plans ou pas? Non, je n'ai pas débloqué de plans. Très très bien. Ok. Ici, coucou. 30 poissons, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. 25 d'insectes, c'est bien en vrai.
On va regarder les insectes pour l'instant. 28. 28, c'est pas mal. 28, c'est pas mal. 25 à nouveau, non. 28, c'était par toi, je crois. Non, toi, non. Bah décidément, c'était toi. Ok, on va faire ça. Toi. On va regarder le métal. 7. Non, 5. 7. 7. 7. 5. Donc toujours 7 et 7. Bah ça sera toi. Ensuite, on va regarder le bois. Ah, ici, t'as les raccourcis. J'avais pas fait gaffe pour aller ici ou ici. D'accord, très bien. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Ferme à criquet, tu lâches 5 de bois et tu produis 25 criquets. En vrai, ça a quelle taille ce truc? Un seul bloc? Ouais, mais je pense que ça m'intéresse pas. Je vais vouloir renforcer des endroits. Genre ici, le stockage. Ça serait quand même important de les renforcer. Là, pareil, on va renforcer. La production d'insectes. Je peux pas la renforcer parce qu'il y a déjà quelqu'un qui y est. Ok. Toi, tu vas au filet. Faudrait des gens pour produire du bois quand même. Ce serait important. On va vous mettre ici à produire du bois. Hein. Voilà. Plus 40. Après, avec un peu de chance, le filet va nous donner des cadeaux. Tout le monde fait un truc. On passe. Par contre, j'ai toujours pas coupé la VOD. Parce que je suis une catastrophe. Ah, par contre, ça complète des missions et ça, c'est cool. La chambre froide, forcément. Et produire des planches aussi. Très bien. Très bien, très bien. Ça y est, ça marche. Bah, mille dents de narval, c'est vrai qu'il fait froid ici. Je peux vous le dire maintenant. Je n'étais pas sûr de moi. Pourtant, vous avez eu raison de croire en vous. Cette chambre froide nous sauvera peut-être la vie. Gardien, il faut absolument que je fasse le tour des communautés pour leur installer des chambres semblables. C'est une solution à bien des famines et des maladies. Quelle bonne idée. Je suis de tout cœur avec vous. Alors c'est décidé. Je partirai avec la prochaine caravane. Vous saurez assurer la maintenance? Ne vous inquiétez pas. Nous nous débrouillerons. Que les vents vous portent vers ce nouveau projet. Merci, gardien. Et que le ciel vous soit clément. Ok? Trop bien. C'est probablement la fin du chapitre en vrai, du coup, et c'est cool. C'est très très cool. On va nourrir des gens. On a quand même pas mal de prod. Hein. On a quand même pas mal de prod. Le repas copieux, il est très bien. Je pense que je vais rester comme ça. Hop. Ça valide ceux qui voulaient manger des petits trucs par-ci par-là. C'est très bien. Un événement. C'est l'anniversaire de Bilal. Mais peut-être que ça lui remonterait le moral si on lui cuisinait un petit plat en plus. Alors, vu qu'il va partir, en vrai, Ah oui, c'est vrai qu'il faut que tu travailles avec quelqu'un, toi. Est-ce que je lui donne un cadeau? Je pense pas. Je suis désolé. On va économiser les ressources. Surtout que tu pars. T'étais déjà plutôt content, donc tant pis. Désolé, mais pas désolé. Hein. Non, en vrai, je vais rester sur le feu comme ça, on va pas le modifier. Et fin du chapitre. On peut maintenant tirer le plein potentiel du quai sous-marin. Ah! Par contre, on a débloqué plein de trucs. Alors, des trucs qui sont très bien.
On a débloqué la voie sous-marine. On a débloqué les pièces sous-marines. On a débloqué les espèces sous-marines. On a débloqué les projets de niveau 2. Mais on a aussi débloqué les catastrophes éruptions. C'est... oui. Oui. Joie. Joie. Cool. Un bateau s'approche à l'horizon. Mon ami, vous êtes bien chargé. C'est que je suis à la recherche d'un marchand. J'ai des bibelots à échanger. Un marchand ? Comme un quincailler, par exemple ? Non, un marchand itinérant. Certaines communautés parviennent à affréter des bateaux vers les refuges comme le vôtre afin de leur apporter des matériaux. Diantre, mais quelle bonne nouvelle ! On appelle ces courageux risque-tout des marchands, parce qu'ils sont aussi demandeurs de matériaux qu'ils ne trouvent pas chez eux. C'est donnant-donnant. D'où votre barda. Hélas, nous n'en avons jamais vu ici, même si j'ai parfois vu des voiles à l'horizon. Peut-être faudrait-il aménager votre quai pour qu'il s'adapte aux besoins des marchands. Impossible de débarquer des matériaux autrement, ce serait trop dangereux. Mais quelle riche idée. Hâtons-nous de rénover ce ponton pour en faire un comptoir d'échange. Ok. Le comptoir, très bien. Est-ce que du coup c'est possible de perdre ? J'en ai aucune idée. Moi je t'avoue que j'ai pas perdu pendant l'Early Access et je ne perds pas là non plus. Après, j'ai l'habitude des jeux de stratégie gestion, des jeux de simulation. C'est un petit peu la base du type de jeu que je fais. Du coup, je t'avoue que je n'en ai aucune idée. Est-ce que c'est possible de perdre ? Sûrement, je présume. Mais ça m'est pas arrivé. Perds pour voir, pour la science ? Non. Merci, mais non, merci. Ici, qu'est-ce qu'on a comme quête à compléter ? Devenir heureux, ça va se faire. Travailler avec quelqu'un. Mia doit travailler avec quelqu'un. Ok. Et sinon, produire des trucs divers et variés. Ok. Ok, ok. J'ai pas coupé la VOD. Et on a des plans de débloquer. Des salles de canards. Incroyable. Les grenouilles. Oh. Dans l'Early Access, c'était comme repartir de zéro. Ah, triste. Le cadran météo affiche la météo pour 2 jours supplémentaires. Non, ça, je l'ai déjà débloqué. Du coup, j'ai des plans, en fait, à acheter ici, ici. Alors, je suis pas sûr d'être intéressé parce que ça me demande de dépenser des ressources pour en produire d'autres. Mais en même temps, ça en produit à balles. Ça en produit à balles. Donc je suis quand même un peu curiosité. La chambre froide et la ferme de colza. La chambre froide, ça me semble quand même intéressant. Après, c'est ce que j'ai construit déjà, mais il faudrait que je puisse la reconstruire si besoin. On sait jamais. Donc ouais, il va falloir que je regarde ça. Le bar à sushi. Ah ouais. Vous savez que j'ai envie de manger des sushis maintenant. J'ai envie de manger des sushis là maintenant tout de suite. Quel enfer. La chambre froide ici aussi. L'aquarium. Tu dépenses de l'huile et tu gagnes du bonheur. Très bien. Et le jardin floral qui donne des insectes à mon avis. Bon, en vrai, on a des points. Donc, dozo, comme on dit. Hop, je débloque absolument, totalement tous les plans. Voilà. J'ai tout débloqué. Parce que moi, je suis comme ça. Toi, devenir heureux. Quel est ton plan dans la vie ? Devenir heureux. Seems so good. Seems so very good. 10, c'est bien. 10, c'est même très bien. Il me faut quoi, au fait, ici ? Ah, du métal. Heavy metal. On va commencer. Hein. Moi aussi, mais j'ai pas trouvé comment faire. Ouais, hein, c'est... Je pense qu'il triche avec nous, le monde. Le monde, la vie, l'existence. Tu as quoi ? Presse à huile, ça m'intéresse pas. Et le rucher ? Attendez. Des insectes et tu gagnes du miel. Ça va être quoi, le miel ? Ça va être considéré comme quoi, le miel ? Ah, je pense... Vu que c'est vert,
Bah non, parce que vert, c'est pour me dire que c'est à la surface. Mais je sais pas. C'est quoi le miel? Quel type de ressource c'est? Quel type de ressource c'est? Et en vrai, j'ai un peu envie de changer la production ici, de la ferme de criquet. Je pense que j'ai envie de casser ça, qui produit des insectes pour le moment, pour remplacer par, du coup, la ferme de criquet, qui produit quand même beaucoup plus, mais qui consomme des planches. Mais je pense que ça va être intéressant. Je pense que ça va être intéressant. Donc on va faire sauter ça, on va vouloir mettre à la place une ferme de criquet. Qui c'est qui a besoin de travailler avec quelqu'un? Toi, t'as besoin de travailler avec quelqu'un, donc je vais te mettre à faire du bois. Voilà, typiquement. 35, 30, 32, donc pour l'instant c'est toujours 35, 32, 32, donc ce n'est pas intéressant. Attendez, 32, ouais, donc ça revient au même. Il y avait quelqu'un qui était à 35. Peut-être toi. Ouais. Hop, tu travailles avec un collègue, du coup, t'es content. De la nourriture, c'est pas intéressant. Il est froid, tu veux dire? Exactement. Exactement. Il est froid. Il est refroidi. Les champignons qui font beaucoup de légumes. En vrai, tu prends quelle place? Ah oui, t'es là. Donc en vrai, toi, je pourrais te faire sauter. Surtout qu'il y a deux emplacements de travail dedans. Parce que tu produis 30 alors que toi tu produis 15. Je pense que du coup je vais faire sauter le truc à côté. En vrai. Je pense que je vais faire sauter la production de légumes qui est là. Parce que j'en aurai pas besoin et du coup ça va être des ressources en moins que je vais dépenser. Tout simplement. Donc je vais faire sauter ça. Ici. Surtout que du coup, je pourrais peut-être tester le miel. Parce que je suis curiosité de savoir ce que c'est que ce truc-là quand même. Je suis quand même curiosité de ouf. Je suis quand même curiosité de ouf. En bas, on n'a rien de particulier. De toute façon, ici, ça produit. Donc voilà. Est-ce que j'irai pas produire du poisson? Sûrement. Sûrement, sûrement. Ça c'est quoi? Produire beaucoup de poissons. 35 c'est quand même beaucoup. Par contre tu prends une salle de 2. Ouais, mais parce que du coup je vais te mettre là. Je vais sûrement te mettre là du coup. La salle de poissons je vais la mettre là. Je vais commencer à remplacer en fait au fur et à mesure un petit peu mes nouvelles, comment dire, productions. Parce que je pense qu'il y a vraiment des trucs qui vont être intéressants. En vrai. L'huile, par exemple, ça je m'en bats les reins. Les reins. 33, mais attends, qui c'est qui produit dedans? Qui c'est qui produit des poissons là? Toi, tu produis 15. Non, non, tu vas pas les produire du coup. Tu vas pas les produire parce que toi t'en produis 33, c'est vachement plus intéressant. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est toi qui vas les produire. Ok. Tout le monde fait des choses ou pas? Non, là il y en a deux qui ne savent pas encore qu'est-ce qu'ils font. Ah toi tu vas les produire des légumes, hein, écoute, ça peut pas faire de mal. Toi, tu vas aller pêcher, voilà. Et toi, bah du coup tu vas renforcer un truc. Quoi? Je ne sais pas. Et surtout que là tout demande... Tout demande du métal. C'est un problème. Oui, par contre, je vais vouloir renforcer ici. Mais j'ai pas assez de métal. Ah, merde. J'ai pas assez de métal. J'ai pas assez de métal. C'est couillon. C'est couillon. C'est couillon. Je peux faire beaucoup de bouffe. Ou sinon, je te dis d'aller te reposer, en vrai. Voilà. Ouais, je te dis d'aller te reposer. Tout le monde fait un truc, je passe. Oui, parce que j'ai dépensé le métal à côté pour le marchand.
C'est pour ça. Hop, encore des quêtes de compléter, c'est magnifique. Ici, on va donner à manger. Et j'ai toujours pas arrêté la VOD. On va passer la journée, ça va sauvegarder. Et je vais couper la VOD, hein, les gens. Quand même. Quand même. Voilà, là, le bonheur est quand même plutôt présent. Il me faut un repas frugal. Voilà, un repas copieux. Tout le monde est à donf niveau bonheur. C'est ce qu'il nous faut. Allez, bam, une quête de plus de complétée. A priori, là, la seule quête qui est pas complétée, du coup, c'est celui qui voulait que je fasse un logement, mais ça n'arrivera pas. Je ne ferai pas de logement. Donc, flemme sur 20. Bam, ça, je mets le feu à donf. Et on passe... Sauvegarde en cours. Et on s'arrête là-dessus, du coup. Petite fougère de YouTube. On a bien avancé. Ouais. Ah non, il y a quelqu'un encore qui demande à produire du poisson. Bon, ça va se faire. Ça va se faire. Pour l'instant, il n'y a toujours pas de catastrophe qui s'approche. Et c'est très bien. Ça me va parfaitement. Mais pour cette fois-ci, c'est fini. Petite fougère de YouTube. Des bisous. À très bientôt pour la suite du Let's Play. Ciao, ciao, ciao.